Il existe une hache retrouvée avec de superbes motifs. La hache de la tombe de Mammen, une tombe scandinave qui date de 950. Je vous avoue que je n'ai pas réussi à trouver des papiers en anglais ou en français concernant la découverte de la tombe de Mammen. Donc les éléments que je vous indique viennent de deux sites web de musées danois, le site du Nationalmuseet et le Vikingeskibsmuseet. La tombe de Mammen fut retrouvée en 1868 par un fermier, selon le site du Nationalmuseet, ou par deux ouvriers, selon le Vikingeskibsmuseet. Dans tous les cas, quelqu'un creusait le monticule appelé Bjerringhøj dans la localité de Mammen au Danemark et a trouvé cette tombe, ce qui fait que le monticule en question serait en réalité un tumulus. La tombe était inhabituellement très richement fournie. On pense qu'un homme important y trouva sa dernière demeure pendant l'hiver 970-971. Peut-être un proche du roi Harald à la dent bleue. Oui, le fameux qui a donné son nom au Bluetooth. D'ailleurs, c'est Harald qui convertit officiellement le Danemark au christianisme vers 966. Donc à peine 4 ou 5 ans avant la tombe de Mammen. Ainsi, on ne sait pas si la tombe en question a été consacrée selon les rites chrétiens ou nordiques. Et ça, gardez-le à l'esprit. Dans cette tombe, on y retrouva, entre autres, les restes d'un costume dont il semblerait qu'il soit de mode anglaise. Oui, il faut pas oublier que les Vikings ont foutu un sacré boxon outre-Manche, donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu des échanges culturels. On y retrouve également une bougie en cire très très bien conservée, et surtout, surtout, une superbe hache. Le fer de cette hache est en fer incrusté d'argent. Il montre un style typique des peuples scandinaves. Selon le site du Nationalmuseet, la hache de Mammen représente sur un côté soit Yggdrasil, l'arbre monde de la mythologie nordique, soit un arbre de vie chrétien. Et sur l'autre côté, soit Gullinkambi, le coq mythologique qui se tient au Valhalla et dont le chant est censé annoncer le Ragnarök, c'est-à-dire une sorte de fin et de renaissance du monde chez les anciens nordiques, soit un phénix, un animal chrétien mythologique et symbole de renaissance. Alors, je ne suis pas archéologue, je n'ai pas travaillé sur la hache de Mammen, je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai jamais vu en vrai, mais je suis un petit peu surpris par les conclusions du site en question concernant les représentations et surtout l'interprétation chrétienne de cette hache de Mammen. Alors, je veux bien que, vu la date, 950, la majorité des chefs scandinaves qui pouvaient se payer une hache comme la hache de Mammen étaient certainement devenus déjà chrétiens. Mais de là à voir une interprétation systématiquement chrétienne dans cette hache, j'ai un peu de mal à y adhérer. Certes, les chrétiens vont reprendre le symbole du phénix, symbole de renaissance, pour eux, et vont très vite l'associer à Jésus. À la base, le phénix, c'est un animal égyptien, et ensuite grec, de la Grèce antique. Donc plutôt une créature païenne. En revanche, le coq, lui, il peut être considéré comme un animal chrétien, puisqu'il annonce l'aube par son chant. Et l'aube, c'est quoi? C'est la lumière après les ténèbres, comme l'enseignement de Jésus selon la Bible est la lumière après les ténèbres. Même si dans ce cas-là, je pense quand même que c'est plutôt Gullinkambi, le coq nordique. Quant à l'arbre de vie chrétien, bah pareil. À part l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden, j'en connais pas beaucoup, enfin j'en vois pas en fait dans la Bible à part celui-là. Et si c'est lui, elles sont où les pommes? Ah oui, parce que sur l'âge de Mammen, y'a que des branches là. Ils ont tout bouffé les gars ou quoi? Ils ont fait une tarte, ils ont fait une compote, ça se passe comment? Donc pour toutes ces raisons, je partirai plus sur le symbolisme païen concernant cette hache, symbolisme qui me semble bien plus logique et cohérent que l'hypothèse chrétienne. Et puis c'est pas parce que le propriétaire de cette hache était certainement chrétien qu'il ne pouvait pas utiliser de symbolique païenne. Prenons l'exemple de Louis XIV. Celui qu'on appelait le roi soleil utilisait souvent le symbole du dieu Apollon, dieu romain ou grec. Pourtant, personne ne va dire que Louis XIV rendait un culte aux dieux antiques. Il était catholique corps et âme. Demandez aux protestants qui ont vécu l'époque. Mais encore une fois, je ne suis pas archéologue, je n'ai pas travaillé sur la hache de Mammen. Donc, l'hypothèse chrétienne reste valide au sein de la communauté scientifique.
Auprès de moi, non, mais auprès des scientifiques, oui. Et il vaut mieux les croire eux que moi. Dans tous les cas, les haches, comme la hache de Mammon, étaient des armes d'apparat, réservées à une certaine élite qui avait les moyens de se payer un artisan qui pouvait faire une hache aussi belle que celle-ci. Elles étaient donc très très peu répandues, et n'étaient certainement pas utilisées pour se battre. Concernant les haches normales, classiques, avec lesquelles on se battait, ou coupait du bois, ou on pouvait faire autre chose, leur fer restait d'une conception très simple.